vas avoir un gros changement dans ta vie. Si j'étais pas malade, mon ange t'aurait gardé avec nous autres. Ah, c'est créatif. Ce sont des gens courageux et charitables. Ils pensent sérieusement adopter le petit. Il y a quelque chose qui t'empêche de bien dormir? J'ai peur. Non, c'est qui si vous mangez trop vos bachos? Bonjour, monsieur le curé. J'ai vu des bleus sur Madame Surprenant. T'es pas mon gars. Puis je suis bien content. On ne peut pas débarquer comme ça chez les Surprenants sans être certain de ce qu'on affirme. Je regrette, mais je ne retourne pas cet enfant-là chez eux ce soir. Une famille d'accueil, c'est pour donner un peu de paix puis d'amour. Je vous présente votre nouvel ami, Olivier. À des enfants qui en ont pas eu dès leur naissance. L'important, c'est qu'on se lâche jamais. Il y a peut-être quelqu'un un jour qui va nous prendre les trois ensemble. Je l'ai tué en temps fort 18 ans. Et toujours là les uns pour les autres. Pour la vie. On a une famille d'adoption pour Olivier. Comme ça me fait plaisir de te voir. T'es-tu prêt? Je sais pas. Georges et Mariette Dubreuil, ils sont prêts à venir le chercher en fin de semaine. Ton pommier va prendre racine ici. Puis toi avec. C'est à toi ça, Olivier. C'est ton arbre. Dès que j'ai vu Olivier pour la première fois, je me suis dit, débarque pas dans notre famille pour rien. Un jour ou l'autre, il va falloir que ça se sache. Es-tu vivante? Es-tu morte? Je t'ai tellement attendu. Je veux pas que tu le dises à personne, OK? C'est entre nous.